Donc, le premier secteur, il est fait. Secteur nord. Ok, on voit bien que c'est le nord. Waouh. Oh, une étagère, fais voir. Ouais. Oh, la poésie de Daggerfif. Je peux sentir à vos pieds, leur odeur est encore perceptible après tant d'années depuis votre dernier passage. Désormais, il ne reste que les ombres et la poussière, et mon ventre raclant le sol. Fourrir de tes chats. Oh! Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes un majordome, un machin. Ah putain. Ah d'accord. Ouais. Ouais. Oui. À l'est. Ah, d'accord. Au sud alors. Ah, d'accord. D'accord, le mitalar. Est-ce que tu veux m'accompagner? Trois vents étaient dissimulés dans trois grands édifices d'Angleterre, dans lesquels l'urgence propriétaire est rassemblée dans près de l'arche. Ah, voilà. Le vent de la sagesse était dissimulé dans la grande bibliothèque. Ok, au sein de leur tour, les anarchistes cachaient le vent des ténèbres. Ah. Enfin, les prêtres arrêtaient le vent de la mort. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour ces informations. Tu m'as fait un peu peur. Oh putain, on a pris plein de trucs. Le mital, les cités volantes de l'ancien éthéré tirées dans l'énergie de magie connue sous le mital. Alors, les arbres portent le nom de mitalars, dont vous possédez un fragment sur un collier, jusqu'à ce que Rulis vous le dérobe, évidemment. Ah ah. Et les trois vents. Eh bah, c'est parfait. Du coup, je peux enlever cette merde. C'est con, il est sympa cet homme. Enfin, ce majordome. Est-ce qu'il compte ou est-ce que je dois vraiment le tuer? Parce que j'ai pas envie. Il est cool, il m'a même pas attaqué, il est venu me voir en pépouze, en marchant. Oui, bonjour, que voulez-vous? Une salle avec un sarc. Ah. J'espère que tu l'as pas cassé. Putain, je... Non. Attends. Voilà, ouais, alors on va refaire un truc, Xanos, parce que tu m'emmerdes. Hein, je vais devoir te réinitialiser. Oh là. Oh, c'est triste ce qui se passe. J'ai pas envie. Waouh. Force plus 4! Oh! Oh non, moi ça me rend triste, hein. Je suis désolé, ça me rend triste. Oh là là. Bon. Je vais m'équiper donc de l'anneau. Et je vais assigner le pouvoir. Oh la vache! Ah vas-y, attention! Force plus 4! Paf! Est-ce que. Oh non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas. J'espère que c'est que j'ai tort. Ah oh, putain, je suis coincé dans la porte. J'ai pas envie de tuer le pauvre golem. Il est sympa, il m'a aidé. J'espère que c'est une blague. Non, bon. On est d'accord, je le porte toujours au doigt.
Non, je la porte plus au mon doigt. Comment ça se fait? Voilà. Du coup, j'utilise comment le pouvoir? Ah, voilà. Ah, est-ce que ça veut dire que c'est assigné? Je sais pas si ça marche. Je pense. Bon. A priori, ça ne marche pas sur celui-là. Donc, on peut le garder en vie. Yes! Et je voulais pas le tuer, il était cool. Non, putain. Ah bah, ramène ton cul. Toi, tu commences à m'énerver. Alors, on va changer la tactique. Hein. Tu vas arrêter de m'aider. Ah la vache, tu commences à me péter les couilles. Mais très très fort. Hey, t'es caché, lol. Qu'est-ce que l'on tourne de la crypte? Ah! Exactement! Donc, je dois aller à l'est, au nord, enfin, à l'ouest et au nord, ainsi qu'au sud pour les endroits dignes d'intérêt. Découverte, ouais, la tour de la crypte. Oh non, je suis hébété, mais je peux quand même marcher. Il est où le dernier? Il est là le dernier. Je peux pas attaquer par contre. Là d'abord c'est le moment de me faire une boule de feu. Une boule de feu. Putain mais je me fais attaquer par toutes les mobs de la terre. Allez, meurs! Voilà. Voilà! Donc, la tour. Bordel. Oh, qu'il est chiant. Alors, par contre, juste en dessous, là, hein, juste en dessous, il y a deux endroits que j'aimerais rencontrer. Ah! Ah, bah, l'LMDR. LOL MDR des bonnes grosses barres, parfait. Putain, mais il y a la doublette là. J'y vais tout seul. La reine araignée, elle va se faire mettre. Elle va se faire tuer par les boules de feu de toute façon. Ma résistance est incroyable. Allez. Allez. On meurt. Paf. Petite potion. Soin supérieur. Ah bah attends, je vais finir elle. Dalin, c'est quand tu veux, je te vois. Je vais prendre du 10 de dégâts. Parfait. À nous deux, sale bâtard.
Ouah, ça va être tendu. Parfait. Voilà. Putain, puis lui il fait des sorts, mais 4 ans trop tard. Oh, petit. Oh. Oh, cap de nymphe, charisme plus 4, inutile. Je vais me reposer. Et puis, je crois qu'on va. Je pense pour cette session, qui risque d'être un peu longue, je vais juste finir la quête d'Asharta, là, de l'autre. À savoir tuer tous les golems, là, je pense que je dois être à. Quoi 6 golems, ouais, il me reste 4. Et aussi faire du repérage pour les secteurs, on va rendre la quête, et puis je m'arrêterai là pour cette petite session. Deux reprises de Shadows of the Tide, de toute façon là ils nous ont clairement dit ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire se bouger le cul et choper des sphères dans les endroits précis de la cité d'Undred Tide. Ils ont quand même bien pensé à tous les architectes. Là il y en a encore une, non il y en a pas, c'est bon, c'est ok. C'est quoi ça? Ah bah 1334 et là c'était 1800 avenue d'Alhambra West. Je peux l'ouvrir? Ah ouais. C'était une maison ça? Ah merde, y'en a un. Bonjour. Ah, ça y est, il s'est remis à courir. Oh, il y a une petite fontaine qui marche toujours malgré les années. C'est stupéfiant. Parfait. Il y a un reste là. Inutile. Et une étagère. Une... Oh! Temple des vents, rite et rituel. Le rituel des trois vents. Quand le maître du Mithal libère son pouvoir au sommet du temple des vents, il est nécessaire que ce secret reste scellé derrière les portes du sanctuaire et que nul autre que le seigneur des vents ne puisse passer. Cependant, le seigneur des vents doit tout d'abord les rechercher puis les trouver. Les vents des sont ténèbres, sagesse et mort. En trois endroits, ils reposent et attendent. Celui des ténèbres est détenu par son créateur, le haut arcaniste d'un Tide, que sa vie soit éternelle. Celui de la mort est aux mains des prêtres de la crypte, celui de la sagesse est gardé par le bibliothécaire et les détenteurs du savoir, les sages de l'oubli et du temps. Quand les trois vents sont réunis, le seigneur des vents doit les placer dans l'arche afin qu'il se transforme et brise le sceau. Je prends. Comme quoi, même si tu trouves pas le golem, eh ben... T'as au moins des bouquins qui te disent hey regarde c'est ta prochaine quête. La porte. Il y en a un derrière, il est là. Ouais 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 putain ça va vite. Ça va assez vite. Donc là par contre on va. Là juste après si bien compris c'est l'est. Enfin le secteur ouest. Et dans le secteur ouest, il doit rester un truc. Voilà, et de l'autre côté, on a quoi? Un lit avec un coffre. Oh, 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 salut toi. Argent. Beaucoup de flèches, hein. Et donc ici, nous avons la suite de l'endroit avec... Avec le secteur ouest. Alors, secteur ouest. Petit endroit. Ah, je suis hébété. Ah, je me suis fait surprendre. Ah, parfait, une aurore casquée. Ça va aller un poil plus vite. Non, zoom pas. Et donc là, c'est donc le dernier endroit, à savoir la tour des arcanes. Parfait, j'ai découvert, c'est bon. Araignée. Génial, tout va bien. En plus, c'est même marqué là. Et donc, il me reste un secteur. Et c'est fini. Oh, le level up!
Oh! Je ne l'avais pas vu, pas remarqué! Putain, je suis déjà level up! Oh là là! Ah bah attendez, level up en cas d'extrême urgence. Ah putain, la maladie. La maladie. Mais grâce au level up. Oh, le niveau suivant, Roublard. Crochetage. Ah, ça c'est pas mal, je le prends. Voilà. Ah, j'ai le droit à un don. Oui, j'ai le droit à un don. Sens du critique. Voyons, voyons, voyons. Voilà. Un personnage maîtrisant ce doigt est résistant à une normale, gagnant un bonus de plus à tous ses champs en vigueur. Ouais, volonté de faire. J'ai de volonté. Ah, attendez, résistance à la maladie, ça, je le prends, mais direct. Plus 9 de vie. Je suis désolé, mais la résistance à la maladie, je le prends instantanément. Parce que là, vu la merde que j'ai sur la maladie, ça me pète les murs. Je vous le dis, cru. Ah, plus 4 sur le jet de vigueur, ça c'est intéressant. Et ça, il y a des glyphes dessus. Ah là, si la maladie elle passe pas une belladone, et puis c'est. Non, bon, d'accord. Heureusement, j'ai avec moi une belladone que je vais utiliser. Merde. Où est mon antidote? Bon, heureusement, j'ai de l'antidote. Hein. Poison maladie, paf, mauvais souvenir. Un suppôt et ça repart. Mais comment ça un peu faire de la merde l'autre con. Bibliothèque, qu'avons-nous ici? Oh non, fous-moi la paix. Secret des liches. Non, j'ai déjà vu. Bon, qui m'attaque? Toi. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Du fontaine au souhait. La cité d'Undertide est elle si pas croyante, mais ah, j'ai pas envie de dire idiote, mais je ne sais pas le mot. Enfin, penser au miracle. On ne pourra pas leur enlever ça. 9 des 10 golems. Eh ben, il n'en reste plus qu'une seule, écoute. Et alors, les fontaines au souhait. Oh, un petit poisson. Ouais, bon, ça me... Ah oui, donc en fait, là, il y a tout. On peut... Ah oui! Ah oui, 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 d'accord. Ah très bien, donc pour ça, c'est pour refaire le plein de gemmes. Je suis... où? Je suis là. Et il y a une salle ici. Et c'est encore une rue. 913 A Place Hidwick Sud. Et le voilà, le dernier garde. Alors, quand même, de ce qu'on voit... Undertide, c'est un petit peu la cité moderne. Parce que il y a des noms. C'est une ville dans une cité. C'est-à-dire une ville concentrée dans 100 mètres carrés. Ouh, des shurikens. Non. Du coffre, mais beaucoup d'argent. Oui. Je suis. Fait des belles couves. Là, tu mets un archéologue là-dedans, mais oh, c'est bon. Alors, faut que je retourne au campement, mais d'abord, je vais aller vers le camp. C'est tout? J'ai... Merde, j'ai pas zappé un truc. Attends. Secteur Est, ouais. Ah non, secteur... Ah d'accord, deux secteurs est. D'accord. Ok. Eh ben, on va rendre la quête, hein, écoutez.
On va rendre la quête et puis je vais m'arrêter là pour cette petite session, hein, qui aurait été intéressante de plusieurs points de vue, notamment celle sur la cité engloutie d'Endred Tide, qui était moderne pour son époque. La porte, elle est là. Bon, mon maître, bonjour. Oh, je peux te voler? Oh! Oh non, mais t'as une armure de merde, c'est vrai. Alors, où est-ce qu'il est passé? Putain, Xanos qui s'est mis dessus. Bah. Ah non, c'était Xanos. Oui, non. Ouvrons la porte. Putain, il l'a refermé, mais direct derrière moi. Il était pas sympa. Alors. Je n'entends plus les gardiens. Au travail, esclaves. Les serviteurs continuent à dégager le passage. Mais nous ne sommes pas encore libres. Pour ma propre sécurité, je ne vous retirerai pas le bouclier, mais vous êtes libre d'aller où vous désirez. Ah, merci. Ouais. Ah. Très bien. Ah, d'accord. Très bien. Oui, ah non, en fait, je te... Au revoir. Allez, cassos. Donc là, j'ai résolu pas mal de quêtes. Donc ça, c'est de la merde. Et ça tourne les arcanes. Très bien. Bien. Dans ce cas, ça c'est relié avec ça. Et ça, c'est relié avec ça. Parfait. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour cette petite session. Hein, très courte, qui a duré un petit peu moins d'une heure. Voire même un peu moins, parce que je vais peut-être couper un truc au montage. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu, que c'est des petits, je pense que ce sera deux épisodes pour se remettre dans le bain doucement sur Neverwinter Nights. On est proche de la fin, on sait tout ce qu'il faut faire pour la suite, récupérer les trois sphères pour les mettre dans l'arche, pour accéder à la tour des arcanes, pour aller voir Eurydice et lui poutrer ses dents. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode, cette session, même la playlist jusqu'ici. En espérant que ça vous plaît, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez la commenter si vous avez des astuces sur le jeu qui pourraient m'être utiles en tant que roublard. Vous pouvez aussi partager la playlist ou bien les vidéos, vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît pour ne pas rater la suite du jeu. Et me suivre sur Twitter où je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights, Shadows of Endred Tide.